Donc un petit asile psychiatrique à l'Amandon. Enfin, c'est quand même dommage. La porte d'entrée devait être magnifique. C'est vraiment... Et voilà, on est à l'intérieur de cet ancien hôpital. Allez, on va commencer par le bas. Petite visite du bas. On a des caves. On va voir ça après. Bon alors ça a vécu ici, hein? Oui, ouais, ça a vécu. Le bas, enfin voilà. Faire très attention. Ouais, il y a du vécu. C'est dommage, oh, les plafonds ont été d'une beauté ici. Ouais, je sais. Bah, comme dans tous les bâtiments abandonnés. Ah hop. Ouais. Oui, j'ai vu le plafond est superbe. Regarde, c'est du marbre. Oui. Ah ouais. C'est du marbre, quoi. Une baignoire en marbre. Un truc de dingue. Je ne la ramènerai pas à la maison, elle doit peser une tonne. Donc, c'est très sombre en bas, c'est muré, donc... Il y a quand même encore du café là-bas, quoi. Ça a donné ici, hein. Oh, il y a une ambiance terrible, terrible, terrible. Oh, le vieux vélo! Attends, je pose la caméra. Hop! Et on va... Pas sur du vélo, mais sortir. Ah oui, une belle plaque là-bas. On va étudier la totalité. Tu y arrives. Trop de poche, tue la poche. Un chouï abandonné et un chouï abîmé. Alors, la personne que j'ai croisée m'a dit aussi que c'était aussi une usine abandonnée, une usine de soie ou je ne sais plus quoi. Ça m'étonne un peu, hein, je demande à voir, je ne sais pas. Je sais pas. Non, ça n'a rien à voir, c'est de l'autre côté, cet établissement de guet. Mais bon. Ouais, ça a ramassé. Hein. Bon, attention. C'est très grand. Hein. Ça reste grand. Hein. Les escaliers qui. Ah, mais c'est mieux avec une frontale en fait. J'ai pas mis la frontale. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a été squatté, hein, comme me disait la personne. Voilà, quoi. Ça reste pas. Oh. Ça me rappelle un manoir. Sérieux ? Ouais, c'était quoi, une cheminée là aussi ? D'accord, ça me rappelle un autre manoir. Regarde comme elle est belle cette cheminée. Enfin, c'est pas une cheminée, c'est un. C'est un hôtel. Un hôtel ? Je sais pas, c'est bizarre. C'était pas une chapelle des fois ici ? Je sais pas, mais... Regarde le truc. Les plafonds. Oh, regarde, ça pareil derrière. Si, regarde, il y a Jésus, là.
Ah bah voilà. Non, bah, c'est pas Jésus. Ah non, c'est le troisième œil, regarde. Ah oui, c'est oh bon. Le troisième œil. C'est quoi ces anges? C'est très, très, très spécial. Ouais. Regarde les anges, j'avais pas vu sur les côtés. Oui, il y a anges, encore toutes les... Il y a deux anges. C'était un truc religieux aussi. Hein. Oui, oui, ouais, c'est clair. Ouais, il y a des décorations de tous les côtés. Ah, c'est super. Oui, je sais pas ce que c'est. Bon, là, il y a un peu... Oui, bah là, c'était un... Une volière. Il y a marqué prière sur la partition. Il y a marqué quoi? Prière. Ah, bah voilà, tu vois, ça aide. Hein. Ça aide à comprendre certaines choses. Hop, éclaire un peu de côté. Voilà. Et voilà. Ouais. Ah, c'est clair. Bon, voilà. Après, les étages, ça va être chaud, je pense. On a fait le bas. Par contre, les escaliers. Ah là, faut montrer là parce que c'est d'une beauté. Il y en a qui est sorti, hein, si on oublie. Après, les planches sont peut-être en bon état. Oui, enfin, les grosses gouttes, faut vraiment marcher sur les jointures. Hein. Ouais. Parce que ça va. Waouh, tu sais, beau. Ça a vécu, quoi. Quasi plus trop. Oh là là, ça a été un lieu de airsoft. Ah bah c'est là. Sacrée ambiance. Tu fais attention où tu marches. Hein. Ouf. La porte se referme et un ressort. On va taper dans le dos. Oui, bon, bah pour de la rénovation, c'est un peu chaud, quoi, on va dire. Je vais passer là. Oh, purée, mais c'est dommage, ça devait être d'une beauté ici. Ça devait être une chambre, mais d'une beauté ici. Tiens, je te donne des billes d'airsoft. C'est du polystyrène. Regarde la chambre. Regarde la chambre que c'était ici. Toutes les chambres ici. Bon, il y avait la chambre de la princesse. Le petit lavabo qui va bien. Il y avait les chambres de la princesse et puis la chambre des autres. Mais quel dommage, quel dommage, quel dommage. Voilà. Ah, encore une petite baignoire, ça c'est... Ouais, d'où est-ce qu'il est ? Ça craque. Ça craque, ça craque. Alors c'est marrant, c'est plein de petites montées comme ça. À droite, à gauche. Ah, cette ambiance. Quand la nature reprend le dessus. J'aurais vraiment aimé voir cette bâtisse à une autre époque. Oh, bah tiens. On revient ici. Alors, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Je suis derrière la rambarde. Je comprends pas les... Il y a un ascenseur ? On retourne à l'ascenseur. C'est si moderne que ça ? Ah oui ! Dites donc !
Il y a une ambiance ici, c'est terrible. Attends, parce que moi j'ai vu un truc, j'y retourne. Une pièce dans un demi-étage, perdu. La nature reprend le dessus. Là. Hop, oula, ben, on n'ira pas. Hein. Oh, quel dommage. Ouais. Voilà, tout est mort. Donc on ne va pas y aller, c'est dommage. Une armoire, mais énorme. Ouais. Ne rien casser. Non, non. Il n'y a plus rien à casser. Allez, on va continuer. C'est interdit au moins de 16 ans, mais bon, on fera avec. Ça brille dans tous les sens, on dirait des éclats de verre ou je ne sais quoi. Cet escalier est magnifique. Je sais pas, faudrait que je regarde exactement les. C'est vieux. Hein. Allez, on va déjà faire ce côté-là. On va faire le contraire. Sur le coup. Cette ambiance. Ouais. Terrible. Avec la cheminée. Avec. Ah, mais ça donne de pièce en pièce, là. Ouf. Ah, c'est top. Ça fait très hôpital quand même, hein. Il n'y a pas de souci, regarde. Ça, c'était plus récent. Ouais, ouais, mais ils ont rajouté des choses après. Oui, donc on était là-bas. Il y a encore les cintres, tiens, sur le. Alors, je pense que là, on risque de tomber. On risque de tomber là où c'était écroulé, donc. J'ose imaginer que. Bon, jusque-là ça va. Ça reste des. Ouais, même des bouquins médicaux, donc. Ouais, de sacrée ambiance ici. Hein. Bon, là c'est quoi? C'est une petite douche. Avec une ouverture. Je vais aller voir. Je pense que là, on va pas forcément y aller. On va pas du tout y aller d'ailleurs. On va pas y aller. Là, malheureusement, on passe à travers. J'irai pas au WC au fond là-bas. Donc là, on tombe. Des vieilles cuisines. Là, ça a vraiment vécu. Hein. Ça a vraiment vécu. Il y a des journaux, il y a peut-être des dates. Sur le coup. Hop. Les journaux de 2001. Ça fait presque 20 ans, quoi. Presque 20 ans. Oh, des jolies. Belles, belles, belles. Des jolis bois de lit. On va pas passer plus que ça. Des jolis bois de lit, ouais. Et le dernier petit étage. Enfin, pas de câble, pas de. C'est beau. Ça fait plus grenier ici, ouais. C'est bas de plafond. Ah ouais. C'est par là-bas aussi.
part un peu dans tous les sens. Après, il y a un grenier au-dessus. Mais bon. Ah, les archives. On est dans les archives. C'était les archives. Oui, là, c'est de la pierre au sol. L'endroit où y aller. On va déjà faire ici. Ah oui, quand même. Ça reste bon. Le fin grenier. Allez, on passe là. Ouais, le sol est bien plus costaud ici. Bon, bah, le grenier, il est là. Donc en fait, voilà quoi. Ça, c'est du coffre. C'est un coffre à jouer pour 800 enfants. C'est génial. Ah bah, c'était du fourrage alors. Oh, bah, quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais, j'ai vu. Bon bah là, c'est vraiment... Ça, c'est les chambres de bonne, là. C'est génial. C'est blindé de bouquins au sol. Ouais. J'essaie de trouver des lettres. Mais... Ouais. Et sur le coup, le sol est quasi nickel. Je ne boirai pas cette bouteille. Même si c'est de l'huile d'olive. Je pense que on tourne sur d'autres toits là. J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment à côté. Qui est aussi abandonné. Oh. Et ça, ben ça c'était le bureau du ministre là. Là ça rigole plus là. Ah oui, carrément. Alors ça. Ah, il y en a qui sont installés. Comment on appelle ça là? Il y a quoi dans le coffre là? J'espère qu'il n'y a personne. C'est pas un coffre, c'est une caisse qui a dû être renversée en fait. Ouais, là ça fait très habité. Ben, ça fait squatter quoi. Le petit salon du squatter. Ah. Nono, c'est pour toi. C'est pour toi. Regarde, on peut s'envoler avec. Un petit message pour ma petite soeur. Allez, je le remets là. On va pas faire le ménage. C'était le placard au coussin. Il y avait le petit bassin qui va bien en bas. Quoi? Le petit bassin qui allait oui, bien en bas, c'était pour... Ah, derrière les pigeons, ils sont là. Ils sont tranquilles. Peut-être le prendre d'ici aussi, le bassin. Ouais. Cet escalier est magique. Et... Non, on va rester là. J'ai fait le mec qui fait tomber la cam. Que même si on ramène d'amido, elle fera pas grand chose. Il y a trop de dégâts. Il est bien abîmé, mais il est magique. Franchement, il est superbe. Je suis à peu près sûr qu'il y a un autre. À côté. On voit de l'extérieur. Bon, faut que j'essaye de trouver la suite, moi. J'adore ce vieux frigo. Il n'y a pas un cadavre, enfin. On va laisser ça, tranquillou. Ah, je me disais. Je savais qu'il y avait quelque chose à voir.
Waouh. Ça, c'est de la cave voûtée. Une charrette dans la cave, quoi. Moi, je dis ça. Une charrette dans la cave. Enfin, oh, il y a de la bouteille. J'en connais qui peuvent être intéressés, là. Bon, elles sont vides, hein. Donc, on se calme. Il y en a deux partout. Et ça a picolé ici, hein. On est aux cuves. Enfin, il y a les cuves et il y a ceux qui sont cuvés. C'est un peu les deux. Et là, on est vraiment au bas du bas. Tout est muré dehors. C'est la réserve de bois. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est à la cave et le bois à la cave. Ben voilà quoi, il est un peu trempé. Un truc qui m'intrigue là, ça va où? Ah ouais, quand même. Ah, il y a un autre truc là-bas, quoi. Ah, c'est les dessous. Bon, ça passe pas trop ici. On va revenir. Non, bah c'est bien joli, mais ça n'amène pas là où je veux aller. Là. Hop, oh, ça rejoint. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Ça m'énerve de pas savoir si elle est vraiment belle cette pièce. Oh là là, mais avec cette baignoire en marbre. C'est complètement magique, quoi. Mais j'étais allé là ou pas? Je m'en rappelle plus. Ah oui. Mais non. Je ne suis pas allé ici. Faut faire gaffe parce que là, ça s'écroule. Tout est écroulé ici. Donc là, c'est grosse prudence. On est ici dans une partie où tout est tombé. Et voilà. Et quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Enfin, quel dommage. Des fous, on n'est pas des fous. Hop. C'est bien parce que vous avez envie de voir, hein. Oh là 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 là, ça barre là-bas dans tous les sens. C'est l'endroit où on ne pouvait pas passer. Passer, non, mais. Mais. Bien que. Ce serait que moi. Ce serait que moi. Bon, ça va être un peu chaud bouillant. Je vous l'avoue. Découvert un lieu secret. Non, ne me suis pas. Là, c'est chaud bouillant quand même. J'ai découvert un lieu secret. Et les molos. Oh là 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 là. Bon bah, et je continue, je reviens. Alors j'ai découvert la suite, faut pas le dire,
C'est énorme. Attention, c'est quoi ici? Regardez ça. Allez, on continue. Qui me suit? C'est énorme, énorme. C'est chaud bouillant pour y aller. Je sais même pas. Ah, c'est quoi ça? Waouh. C'est magique ici. Oh là là là. Ça part dans tous les sens. C'est énorme. Et là, il y a de l'ambiance. C'est terrible. Terrible, terrible. Même fermé, la nature prend le dessus. Ou pas. Voilà, c'est superbe. Les toilettes. Hop. Je suis au fond là-bas. C'est devant une porte fermée. Ah bah oui. Quand même. Ah. Une fenêtre qui donne sur une autre chambre. Bon, c'est là où je devais aller. La tapisserie est d'époque. C'est vraiment superbe. On va aller voir tout le fond là-bas. J'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes surprises ici. Oh, Pichou, il y a un oiseau mort. Oui, voilà. On n'a pas dû trouver la sortie. Oh là 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 là, mais ça part dans tous les sens. Il y a un couloir qui n'en finit pas. Pardon. Hop. Ah, j'y vais mollo, on est à côté. Vraiment. Immeuble. Donc, ça demande une très grande discrétion. Donc j'ai vu un couloir qui n'en finit plus. J'ose imaginer que je suis. Ça n'arrête jamais en fait. Ça n'arrête pas. Là, ça devient dangereux. Et les mollo. Oh oh oh, des vieux romans photos. Alors c'est là. La pure découverte et c'est géant quoi. Là, ça, j'adore ça, ce genre de truc. J'en étais sûr. Allez, en revenant, on se le fait. Allez. Tu vas voir là parce que ça ne s'arrête pas. C'est immense, 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 immense. La porte est fermée là. Immense. Ah, ça devait être très religieux ici. Beaucoup de recoins où il y a des. Il y en a deux ou d'autres. J'ose même pas imaginer. Ouais, on fait les paris, il y a quoi derrière cette porte là-bas? Un autre grand couloir ou. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. Ouais, c'est une partie usine. C'est la partie usine. On entend le ruisseau dehors. Oh oui. Tout le matos. Usine de tissage, je pense. C'était une usine de tissage. Un truc de ouf. J'adore. Là, il y a la porte là-bas qui est entrouverte. Tu peux y aller. On va carrément regarder là. C'est grand, hein. Oh là là là, c'est un petit. Voilà. Si on peut pas rentrer par une porte, on rentre par une autre.
C'est vraiment, vraiment immense. Donc voilà, là, c'est encore... Oh, il y a tous les... Il y a tout qui est tombé, là. Magnifique tapisserie. Eh ben, dis donc. Oh, c'était quoi, ça? Je reviens. Vieux meuble. Ça reste magique, hein, ce lieu. On a l'impression que ça s'arrête jamais, surtout. Je sais plus où je vais me retrouver, là, mais... Bon, il nous reste une petite porte, et il y a les escaliers à voir là-bas. Ah ben, sur le coup, notre aventure s'arrête presque ici. Bon, ça doit donner dehors. On va découvrir quand même quelque chose de très grand. C'est quoi, ça? Voilà, c'est une douche. Oh, on revient. Bon, on avait parlé d'escalier, je crois. Oh, des bouts de fer de partout. On va aller voir ça. Parce que ça m'intrigue. Faut faire attention, par contre. Je pense que c'est un vulgaire grenier, mais qui doit être... Vulgaire... Non, oui, c'est un grenier, ça c'est clair. Allez, on va y monter vite fait. C'est trop montré. Voilà. Voilà ce qu'on peut appeler un grenier. Ouais. Énorme. Énorme. Et une porte. Ah, des moellons derrière. Ils ont tout cloisonné autour quand même. Bon ben voilà. La petite visite qui va bien. Allez, on va retourner. Hop. Je n'ai plus qu'à retrouver la sortie. C'est où ? Au travers. Ah, c'est là. Je crois. C'est ici. Bon, ben là, la descente, ça va être... Je peux pas passer là-bas, sérieux. Bon, ça va être chaud bouillant, mais je vais voir si j'ai pas une autre descente là-bas. Bon, d'accord. Puisqu'on m'oblige. Allez. C'est pas le tout, mais... C'est ici que je vais. Allez, je vous prends avec moi. Aider. Ouf. Ne pas oublier la caméra. Voilà. On retrouve. La terre ferme. Bon, moi j'ai trouvé la suite. Ouais. C'était énorme. C'est vrai. Ah, ouais. Donc je pense que c'est le bâtiment. Quand tu vois, ouais. Je t'entendais parler en fait. Je parle beaucoup. Il y a des volets, mais je pense que c'est voilà. Ouais. Bon, on va arrêter là la petite vidéo de ce. Oh, dommage, tu ne sois pas venu. Dommage. C'était énorme, gros charreau. Bon, on va arrêter là cette visite. C'était bien sympathique. Voilà. Elle est au troisième étage. Oh, il n'y a plus de bouton. Ça ne marche plus. Elle est au troisième. Elle est tout en haut. Ascenseur. Il peut venir. Il y a la maquette dedans. Hein ? Ouais, on va voir. Allez, on y retourne vite fait.
avoir l'intérieur de l'ascenseur. C'est chou, c'est quelqu'un là, de l'ombre. Ah oui, il y avait même un interphone. Il y avait l'interphone. Il y avait le bouquin qui va avec. Il y avait même des pics dans ma poche. Ah oui, la moquette. Voilà. Attention. Allez, c'est parti. C'était superbe. Ouais. Allez, on a d'autres lieux à voir. Pas le tout, mais... J'ai cru que c'était quelqu'un en bas, mais c'est la botte que j'ai mise. La botte. Ouais. Allez, bye bye, joli lieu. Au prochain rendez-vous.